Ce jeudi 16 septembre 2021, la junte guinéenne a annoncé le retour de Moussa Dadi Camara. En toute vraisemblance, le capitaine Moussa Dadi Camara devrait pouvoir regagner la Guinée d'ici la fin septembre avec tous les honneurs liés à son statut d'officier et d'ancien chef d'État, a déclaré les autorités militaires au pouvoir. En exil au Burkina Faso depuis le 12 janvier 2010, Dadi Camara, en provenance du Maroc où il subissait des soins, a dirigé la Guinée de décembre 2008 à janvier 2010. En 2015, il avait manifesté son intention d'être candidat à la présidentielle en Guinée. Ce qui n'aurait pas été du goût de Alpha Condé. Le 26 août 2015, il prend finalement l'avion pour Conakry, mais le vol est dérouté à Accra. Alpha Condé aurait appelé en urgence le président ivoirien, Alassane Ouattara, pour lui demander de bloquer l'arrivée de Dadi Camara qui devait passer dans le ciel ivoirien.